Bon, bah, je m'appelle André Combier, j'ai 52 ans, je travaille en ce moment au FPC, à la chimie. Je vais peut-être finir là, j'en sais rien. Alors j'ai choisi Kodak parce que j'avais mon père qui travaillait à Saint-Gobain. Alors je lui ai dit, je voulais pas travailler en famille. Donc ça fait, je suis à ma 31e année de chez Kodak maintenant. André, on l'a rencontré la première fois qu'on est venu à Chalon. Au départ, on ne pensait pas faire le spectacle ici aux sucreries parce que Plérec, c'est un spectacle sur la mémoire, sur ce qu'il reste d'une histoire industrielle quand l'activité cesse, sur comment transmettre cette histoire. Ça nous semblait évident de faire ça à Kodak. On a appelé la direction plusieurs fois sans jamais pouvoir discuter avec elle et finalement, elle nous a fait savoir qu'elle pensait que ce n'était pas le moment. On en a rencontré un d'archéologue, c'est lui qui nous a donné cette définition. Archéologie, association de spécialistes qui tentent de pallier le vide, le manque des archives avant que les travaux pour le prochain parking n'aient tout recouvert. On n'est pas des spécialistes, mais on trouvait ça rigolo, archéologue du 21e siècle. Au sucreries, c'est pas un parking qui est prévu. Bon, bah, je m'appelle André Combier, j'ai 52 ans, je travaille en ce moment au FPC, à la chimie. J'ai fait le tour. Ouais. J'ai fait le tour. Juste ce commentaire, un autre annoncé. Logique de guerre, tempête du désert, les premiers slogans. Il y en a eu d'autres avant, faire une pause dans les réformes, la rigueur, encore un choc pétrolier et pop. Je suis fils des années 80, des années Blazer, New Wave et où des Doc Martins se manifestent Le Pen. Fils des années tapis de Dallas, le samedi soir, des entreprises vendues aux francs symboliques, des plans sociaux de l'ouvrier interchangeable, fils de ces images comme un écho infini, d'hommes, de salariés comme on dit qui défilent, on n'a jamais fait de net et pourtant ils l'ont vendu, on n'a jamais été dans le rouge et pourtant ils l'ont vendu, c'est Horst qui dit ça, qui défile toujours moins nombreux dans les rues, une interview de l'un d'eux, ému, fatigué, humilié, qui bredouille dans le bazar de la manif, l'interview de l'un d'eux, juste derrière la réponse chiffre à l'appui impeccable d'un homme dans le silence de son bureau, je suis fils de cette séquence, de ce montage, de ces images reproduites comme un écho infini. Et il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres de ces séquences, écho infini, boucle, une rotative qui a pris le sentiment que rien à faire. Je suis né de là, et je suis sans fin, on m'a dit génération. C'est la bataille du sucre. Vous voyez ? Alors c'est Napoléon qui a suivi la victoire de la Bécarde. Hein ? Alors c'est pour ça que les sucreries qu'on trouve en Belgique, en Hollande, en Italie, proviennent du décret de Napoléon. Celle de Chalon ? Alors celle de Chalon, vous allez la photographier là. Alors, vous voulez l'enregistrer ?
Hein? Jean-Pierre Bruno, et je pouvais pas porter les sacs de 50 kilos, alors j'ai coupé en deux. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Bruno, et j'étais tout petit quand j'ai commencé à travailler dans la sucrerie de Chalon. Je m'appelle Jean-Pierre Bruno, j'ai fait plusieurs métiers. Je travaille dans la sucrerie. Quand j'étais petit, je n'arrivais pas à porter les sacs de 50 kg. Donc je l'ai coupé en deux. Je l'ai mis derrière le camion, dans la remorque du camion, et après il partait. Et puis on était à Verdun, à Ville, et on s'est installé à Chalon. Ma grand-mère, elle a du feu derrière du feu, radiateur. Je parlais des radiateurs. Elle est ici. Et je fais des allusions. Je suis Jean-Pierre Bruno. Je suis arrivée dans le premier restaurant pour les petits en rondeur. Je suis allumée. Je suis calculée. Et si j'allume, si j'allume, Jean-Pierre Bruno. Je peux relire le texte sans, non, mais sans la feuille. 40 fois. C'est bon? Mon père était plâtrier peintre. Il est né à Verdun-sur-le-Doubs. Quand la grand-mère a arrêté le travail de la terre, on est venu s'installer à Chalon. Je m'appelle Jean-Pierre Bruno. J'ai commencé tout jeune. J'étais derrière la bétonnière, je n'arrivais pas à lever les sacs de ciment de 50 kg. Alors, je les coupais en deux. Avant la sucrerie, j'ai travaillé dans le bâtiment, dans une usine de lessive, une fabrique de bouchons, chez un matelassier. J'ai réparé des radiateurs, brisé des bottes de charbon doré, installé des échafaudages sur le toit des églises. Avant les boules, il y a eu la pêche. J'ai appris le gamin. On n'avait pas de canne, on pêchait avec un genre de mosquée. Pour les asticots, on allait à l'abattoir. On piquait aussi des betteraves sur la charrette de la sucrerie. On les découpait en rondelles et on marchait pour le goût du sucre. Du boulot, je peux dire que j'en ai fait. J'ai calculé que si j'alignais toutes les boîtes de sucre que j'ai transportées dans ma vie, j'aurais de quoi faire 40 fois le tour de la terre.